Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, on a une guest aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing Temu parce que j'ai été chercher mon colis ce matin. Pourquoi en fait tu fais ça? C'est au moment où je lance que tu viens. Pourquoi? Tu t'assois pas, hein? Donc, je vais chercher. C'est deux commandes. J'avais passé une commande, puis après je me suis dit, tiens, j'ai oublié des trucs. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ça va te faire peur? Vas-y, sauve-toi. Sauve-toi. Je vais ouvrir ça. Il y a déjà un petit trou. J'espère que rien n'est tombé. Mais bon, j'ai été le chercher ce matin au bureau de tabac parce que bah, colis privés ne savent pas appuyer sur l'interphone. Voilà. Ils appellent, mais voilà, mon téléphone était en silencieux, puis non, j'ai pas vu. C'est vacances. Du coup, je vais mettre ça en haut. Voilà, merci Bella. Tu peux te pousser encore un peu? Voilà, regarde, je te pousse. Voilà. Comme ça, je vais piocher dedans et. Merci madame. Ça t'intrigue hein, quand même. Ça sent les vacances. Ça sent le plastique. Non, ça sent rien. Ça sent rien de spécial, Biboune. Ah, mais c'est parce que au buraliste, au bar tabac, là, ils ont des chiens. C'est ça? Ça sent le petit Jack Russell? Je pense que c'est ça. Hein? Ça sent le toutou? En plus, maman, elle l'a caressé. Ouais. Donc, est-ce que je peux avoir les informations de ma commande? Parce que je vous donne la date, le délai, tout ça. Je pense que ça peut en intéresser certaines. Ça n'a pas été si long que ça. Parce que bah, j'aurais pas de remboursement, parce que c'est dans les temps, je crois. Enfin, de remboursement, s'entend, ils donnent des coupons de réduction pour les prochaines commandes si jamais ils n'ont pas respecté le délai de livraison. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, Temu, là. Comme d'habitude, la fibre. Où es-tu? Ben là, c'est bon, arrête. J'ai plus de VPN, non, non, ça devrait. Ouais, ok, super. La fibre. Waouh. L'arnaque, plutôt. Oui, t'as chargé, mais là, ma page est blanche. Ah, ça y est. Alors, commande, là. Vous, commande. Alors, est-ce que j'ai les dates? Date de commande le 4 août. Voilà. J'en avais passé une première avec seulement 3 articles, et puis du coup, j'en ai repassé une autre avec 6 articles. Si je peux. Détail de la commande, comme ça, je vais vous donner les prix des choses que j'ai eues. Donc, d'abord, je me suis pris une robe débardeur, ils appellent ça. Robe débardeur imprimée Lotus. Est-ce que je peux. À 6,69 €. On va voir ce que ça donne. Ah bah oui. Faut peut-être que je mette la bonne caméra. Est-ce que je vais être trop près, trop loin? On ne sait pas. Je vais peut-être vous reculer un petit peu. Papier de soie. L'imprimé est pas mal. Le tissu aussi. On n'a pas d'étiquette. Là. Je l'ai pris en XXL pour être à l'aise. Parce que, bon, de toute manière, on sait qu'il faut toujours commander plus large que prévu. Mais non, ça m'a l'air bien. Elle m'a l'air bien. Voilà. Ça pour traîner à la maison. Ah, il y a des poches. C'est toujours la surprise encore. Hein, ah ouais, puis des grandes poches, ça va être bien ça. Voilà, ça avec une paire de tongs, et puis c'est bon quoi.
quand il fait chaud. Très bien. Donc moi ça me va, hein, pour 6 euros, franchement, quoi. Hein? Hop, ensuite, je pioche, Voilà, tout est camouflé, mais c'est des patchs. On peut appeler ça des patchs. Ils appellent ça comment, eux? Donc par contre, c'est pas sur la même commande. Faut que je retourne voir. C'est sur l'autre, celle-ci. Oui, ils ont tout. Tout a colmaté. Alors, comment ils appellent ça? Ils appellent ça masque pour les yeux au collagène et à l'aloe vera, hydratant et nourrissant, je pense. À 3,39€, il y en a 60. Parce que j'avais ceux de Action et j'aimais bien, mais dans le sachet où j'en avais que deux, quoi. Donc là, j'en ai vu, je me suis dit, tiens. Non, tu veux pas? Ah, voilà. Donc ouais. Ça va être sympa. Vous voyez la forme? En forme de goutte, là. Ça va être très bien. Et je pense que je pourrais peut-être même les mettre au frigo pour que ce soit bien frais. Le matin, ça peut être vraiment pas mal. Je vais pas garder la boîte en carton. Clairement. Désolée pour les bruits. Mais bon. Unboxing, hein, ça rime avec bruit. Pour moi. Ensuite, je pioche de ma main innocente. Ah, ça c'est une autre robe. Donc enfin, je reprends la première commande. Ben, la première commande, j'avais envie de robe. Écoutez, ça m'arrivera rarement de m'acheter des fringues. Hein. Donc voilà. Celle-ci, alors robe unie en à col en V, robe décontractée à manches courtes avec boutons. Celle-ci m'a coûté 9,39€. Alors, du coup, j'ai commandé pain le 4 août et c'est arrivé, on est le 22 quand même. Faut que je vérifie quand. Enfin non, c'est arrivé avant. Je vais juste aller la chercher aujourd'hui. Livraison la plus rapide en 8 jours. Donc j'avais un délai de livraison entre le 12 et le 22. Oui, donc oui, c'est ça. Ils ont respecté. Aujourd'hui le 22 et que ça fait déjà 2-3 jours que c'est arrivé. Alors, oui, bien. Pareil, c'est encore un... c'est doux. C'est doux. Vous voyez, oui, vous avez 3 boutons. Est-ce qu'on peut les défaire? Non. C'est juste de la déco. Ouais, là, je trouve pas... Enfin, la découpe, là, je la trouve pas forcément très belle. Je trouve pas ça très, très joli. C'est pas forcément bien fait, je trouve. Ouais. Je vous rapproche rapidement. Mais ouais, je trouve pas que ce soit. Bella, qu'est-ce que tu fais? Arrête avec ce sous-main! Arrête pas de se frotter contre. Vous voyez, c'est pas net. Hein. La coupe n'est pas très jolie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc toujours pas d'étiquette dans le cou, ça c'est bien, parce que qu'est-ce que ça peut gratter? Donc pareil en XXL. Petite vidéo. Ouais, ça va aller. Hop. Ouais, par là. Ben là, non. en fait. Biboune, allez, va-t'en. Allez-vous-en, madame. Alors, attends. Je peux avoir...
Oui, après, ça va être des trucs pour le chrono, peut-être. Ah, bah, il y en a, je vais prendre ça, tiens. J'ai pris des petits. C'est des stickers? Ou c'est des. Je pensais avoir pris des tatouages éphémères pour Jadou. Alors. Tatouage temporaire. Si, c'est bien des tatouages temporaires. Glitter tatou. Ouais, donc oui, ils sont à paillettes. Hein, parce que, bah, voilà, c'est une princesse. Donc, je lui ai pris. Donc, il y a plusieurs planches. De petits, oui, plusieurs planches, oui. Il y a de quoi faire là pendant un petit moment. Je sais plus combien il y a, je vais vous dire. 120 pièces. Bon, on va pouvoir faire du tatouage, hein. Parce que là, elle pique les Minecraft à son frère. Hop. Oh là là, c'est Mims. Alors. Hop, désolé pour la gerbe. Oh, c'est trop mignon. Ça brille vraiment, vraiment beaucoup. Ça brille, ça brille. Très cool. À voir si ça se dépose bien sur la peau et que ça tienne quand même un minimum. Hop là. Voilà. Donc ça pour Jadou. Je vous ai dit le prix, je sais plus. Je crois pas. 2,99 € donc pour 120. 120 pièces. Alors, ensuite. Là, je pense que vous savez. Par contre, c'est l'autre commande. Pour vous donner les prix. Voilà. Alors. Roulement de tambour. Ah, il y a un autre petit truc que j'aurais dû trouver. Ça va être tout au fond du truc. Alors, j'ai pris. Les 24 brushes acrylic marqueurs de chez Gangna, les macarons. Donc macarons pastel, hein, je pense que ça. Hein. Les teintes ici. Alors, ceux-ci sur Temu, je les ai eus à 17,42 €. Sachant que j'ai eu un coupon de moins 30 € hein, sur ma commande, donc voilà. Alors, donc à 17,42 € ceci. 24. Voilà. Ah, ils sont numérotés. Ça, c'est vraiment cool. Le crayon se présente. Ah, et c'est. Le niveau est visible et tout. Oh, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment beaux. Automatic ink, big volume, water base ink. Et donc le 744. La mine est très belle. Est-ce que nous avons. C'est quoi ça? Je vais pas mettre là-dessus. Est-ce que j'ai. Sèche vite. Bon, se mettre sur le petit bout là, hein, histoire de mais voir l'opacité.
Je les ai pas secoués. Hein. Je les ai pas secoués. À voir. Du coup, c'est des couleurs pastel. Donc, normalement, ça ne doit pas être si opaque que ça. Hein, c'est. Mais oui, il y a la petite bille, donc on va secouer. Shake, shake, shake. Donc là, c'est le 655. Mais ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Franchement, quali. Je vais avoir un bleu clair, ça va être top. Non, franchement, ils sont beaux. Celui-ci, lui 628. Celui-là, je sais pas trop si c'est un gris ou c'est un bleu, ou peut-être un gris bleuté. Ah oui, un bleu clair, comme il me fallait. Au final, je sais toujours pas ce que c'est. C'est peut-être plus un. Il est entre le gris, vert, bleu. Vous voyez pas trop celui-là. Que moi, je le vois quand même. Hein. Donc, ouais. Les macarons n'ont plus qu'à faire des swatchs. Hein. Je suis bonne pour réimprimer des nuanciers de Panoramimix. Et il faut que je m'achète des anneaux. Je peux plus là. J'ai vraiment plus de place sur ma barre là de lancier manucure. Hop. Donc 24 de plus pour ma collection de feutres acryliques. Bon, ça va. À mon avis, il manque un colis. Je pense un petit truc. Ensuite, je me suis pris des washi tape. Je crois que je les ai déjà vus chez. Comment elle s'appelle? Mercredi. Melissa Hart. Il me semble que je les ai vus chez elle, je crois. Je sais plus. Mais voilà, je me remets à faire un petit peu de bullet. C'est pas vraiment du bullet. Enfin bref, je refais un truc de. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Par contre, ça va faire du bruit. Il y en a une super grande taille où je vais pouvoir découper vraiment que ce qui m'intéresse. Et waouh. Donc, on en a un vert, on en a un rouge. Plein de petits. Oh, il est trop beau celui-là. Il y a des plumes. Celui-ci avec les flocons. Oh, il est trop beau. Ils sont trop beaux, ceux-ci. Oh, wow. Celui-là, il est magnifique. Regardez-moi celui-là. Oh, yeah, yeah, my God. J'aime trop. J'aime trop. Je vais les ouvrir. Alors. Ils sont trop trop beaux. Trop beau. Un rouge. Noyal. Celui-là, c'est bon, bref, je crois. Regardez-moi comme c'est beau, ce petit miaou. Trop, trop beau. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. La même chose en rouge. Huh?
petite bouteille étoilée. J'adore les couleurs. Là, on a encore des gemmes, des papillons. Voilà, trop beau. Hop. J'essaie de le mettre dans le bon sens. Focus, hein. Merci. Petite malle. C'est beau. C'est bio. Hop. Des étoiles. Alors, les grands comme ça. Trop cute. Les plumas. Très joli. Des étoiles. J'aime beaucoup les teintes. Celui-là, on n'en parle pas. Hein. Voilà. Il est trop beau. Violet. Hein. Oh, regardez-moi comme elle est mimi. Oh, trop cute. Voilà, très très jolie. Encore des... Là, c'est pas des bouteilles, c'est des petites jarres. Voilà. Avec des étoiles. Dans ce sens-là, je pense. Les teintes sont très très belles. Focus, s'il te plaît. Ouais, j'aime beaucoup. Hop. Celui-là aussi. Ouais, très très beau. Donc là, comme les autres, mais en vert. Allez, Coco. Je veux pas. Moi, je vois plus ce que je fais. Voilà. Voilà. Ah, plein de fioles. Oh, j'aime bien. Vraiment très joli. Et le dernier, un grand. Waouh. Petite fée. Le château. Très très beau.
Alors. C'était dans le vert, je pense. Le vert. On a plus un rouge et un violet. On va essayer de replacer par couleur. Voici. Non! Viens ici, s'il te plaît, merci. Ça peut-être. Non, rouge. Voilà. Voilà, ça. Violet, violet, violet. De plus là. Ça, je sais pas trop. Hop. Ça, ça fait plus bleu. Tout rentre là-dedans, c'est. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Si c'est bon, ça va aller. Hop. C'est rentré. Voilà. Vraiment sympa cette petite boîte washi tape magique. Alors, pour le prix, c'était dans cette commande-là. Donc 17,48€, on a un ensemble de 23 rubans. Voilà. Hop, ça c'est good. Peut-être que je ne mette pas ça sur mon clavier, ça c'est intéressant. Ensuite. Ah, il est là. C'est tout petit. Et je me suis repris à un piercing pour le nez. Alors, 1,98€. Un acier inoxydable. Comme je ne pense pas. Ah, c'est une marguerite que j'ai pris. Alors, on vient voir. Alors. J'ai pris une petite marguerite piercing pour mon nez. Et les mims. Voilà. J'en achète rarement aussi. Donc, on va en changer prochainement. Et si elle me convient, je pourrais reprendre d'autres chez le même vendeur. Voilà. Ensuite. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des gangnins. Skin tone, j'en ai déjà, mais c'est pas les mêmes. Donc à voir, est-ce que ça va être les mêmes numéros, les mêmes mêmes teintes ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont là. Là, j'en avais combien? 12 et là j'en ai 24, donc voilà. Est-ce que j'ai par exemple le 321? Non. 367, non, de toute façon il n'y a pas de petits chiffres là. Ouais, donc ça m'a pas l'air d'être les mêmes. Ah, c'est le même nom, Rice White. Ouais, celui-là je l'aurai après, je sais pas. Pick Earth, Peach Peak. Non. Orange, yellow, orange. Non. Donc à voir. Mais ça m'a pas l'air d'être les mêmes, hein, de toute façon. Hop. Et du coup, il se présente sous la même forme que les macarons, c'est ça? J'ai déjà fait. Donc pareil, ils sont numérotés, ils ont vraiment le même design, sauf que c'est les acryliques. Donc là c'est le 672, mais par contre j'ai juste le numéro, j'ai pas le nom, que le nom je peux l'avoir au dos du... Donc c'est le 672, j'ai dit 672, là, Brownish Red.
C'est quand même bien pigmenté. C'est juste. Non, ils sont vraiment beaux. Plus qu'à ouais, faire un nuancier. Je vais faire pas mal de nuanciers prochainement. Hein? Voilà. Et ça va jamais rentrer dans mes trousses. Je garderai peut-être les boîtes. Je vais voir si je vais pas me prendre des autres rangements. Je ne sais pas. Bon, voilà pour cela. Je vous donne le prix. Je sais pas s'ils étaient au même prix que les 16,80 16,98. Un poil moins cher que les macarons. PDF mode d'emploi. Ah ouais, ils donnent un PDF mode d'emploi pour ça. Ouais. Ensuite, le plus gros pour la fin. Oh my god. Votre avis, c'est quoi? On les voit partout, c'est pas de ma faute. Puis bon, les ganguenats, j'en ai déjà plusieurs et j'en suis satisfaite. Donc voilà quoi. Donc si jamais Gangna passe par là, bonjour. C'est une boîte de combien? Allez. Tiens, bon. Je sais que t'aimes pas les cartons. C'est quoi que t'as sur toi là? On dirait que t'es toute jaune. T'avais le poil plus blanc que ça hier. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été traîné, outil. Alors, 120 couleurs. Il m'a pas l'air dégueulasse le petit nuancier là, quoique les jaunes sont là. Puis c'est un peu bizarre. Bref. Est-ce qu'on a des teintes similaires avec les pots? Non, ça c'est que des 300, là ça, on est dans les 600 machin. 701 par exemple, skin color, ouais, elle est là. Après, 626, est-ce qu'on a rice white? Ouais, je vais avoir des doublons. Après, peut-être pas toutes, hein. 683, creamy white, vous voyez? 683. Là, Creamy White. Light beige 724. Non. Je vais avoir quelques doublons. Mais bon, c'est pas grave parce que si c'est des teints de peau, de toute manière, ça. Hein? Entre celle-ci, mais par contre, sur l'autre, non. Non. Quoi, je vais avoir quelques teintes. On a quoi? 667. Si, Tin Red, c'est ça? 600, ouais, c'est ça, Tin Red. 704 Red Lips. 704. Là. 625 Cinnamon. Là. 716. Voilà, 716. Pitch, pitch. 700. Non, non, tu parles là. Non, il n'y a pas sûr. 620. Ouais, donc je vais en avoir quelques-unes en double, mais c'est pas pas la mort quoi. Ça va être même
bien parce que voilà, quand j'en aurai un de vide, j'aurai du backup. Hop. J'ai une mouche qui me casse les. Ouais, tu me casses les. Casse-pied. Donc. Ah, les enfants sont chez papy mamie. Il a ramené ses escargots chez papy mamie. Je vous avais dit qu'il avait ramené des escargots de l'école. Il n'y en a qu'un de mort hein, depuis. Donc j'espère qu'il va pas en ramener chez papy mamie. Et qu'il s'en sera occupé. Tu pouvais ne pas les ramener aussi. Attention. Alors. Ah ouais, donc le nuancier directement sur la boîte. Donc comme vous pouvez voir, ils sont tous numérotés. La première ligne est plus haute que l'autre. Mais ouais, là, le nuancier là-dessus, par contre. Parce que bon, c'est pas rangé 730. Il faudrait les ranger dans l'ordre du nuancier là. Si je garde la boîte, n'est-il pas? Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi ça? Ah, ça tient les racks, d'accord. Ok. Donc ouais, je vais peut-être garder la boîte. La coucher et puis. Mais du coup, la ranger dans cet ordre-là. Comme ça, quand je cherche un crayon, j'ai juste à me dire, bah c'est la troisième. Et voilà quoi. N'est-il pas? Mais ouais, je vais garder la boîte. Et bah ils sont beaux, hein. On voit le niveau. C'est cool. Ceci ressemble quand même plus à aux anciens Gorgonas. Anciens. Pas bien vieux, mais à ceux que j'avais pour les poux. Et je suis en train de me demander comment ils sont les autres que j'ai. Les Krangnar 60. C'est des T60, c'était quoi que j'avais? Ah, c'est Wilfelsen Tully. Non, c'est les Ibis. Je sais pas. Attends, c'est quoi? Je sais plus. Mes trousses sont pleines. Ah bah oui, non, c'était comme ça ceci. Donc non. Il ressemble pas. Hop. Allez. Faut vraiment que je réagence le bureau. Hop là. Mais bon, ceci, oui, je vais les ranger par l'ordre du nuancier et voilà quoi. Je pense que je vais faire ça comme ça pour pouvoir les retrouver plus facilement. Même si en soi, le numéro est dessus. Pardon. Shake the pen before use to heaven out the ink. Oui, il faut bien brasser. Ça, j'ai du mal à penser à brasser avant. Mais ouais. Donc voilà pour mes achats. Je vais vous dire à combien je l'ai eu, du coup. 53,54 €. Mais bon, je vous ai dit, j'ai eu un rabais de 30 € sur ma commande. J'ai eu un rabais de 30 €. Au départ, je devais en avoir pour 110,79 €. Sans compter l'autre commande, là je suis sur une seule. Mais bon, je l'ai eu à 80,79 € cette commande. Ça, les deux boîtes acryliques, le truc d'aloe vera, le piercing pour le nez. Voilà. C'était mieux, hein, ça reste raisonnable. Mais ouais, la boîte monte vite et compliqué d'en trouver une à 120, voilà, sans de payer de frais de port, de livraison ou machin. Hein. Donc quand je les ai trouvés à un prix abordable et que j'ai vu que j'avais un rabais de 30 balles, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris. Voilà. Bon bah il va falloir que je range tout ça. Hein? Que je range tout ça et que je commence les nuanciers. Souhaitez-moi bonne chance. Mais voilà, je suis contente parce que bah, j'aime bien faire des mystères.
à l'acrylique. Pardon. Il y a des moments comme ça. Et c'est souvent hein, quand je filme que je bâille. Hein. Clairement. Pourtant, je bâille pas le reste du temps. Je sais pas si c'est le fait d'être assise. Je ne sais pas. Bref. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une de ces boîtes. Est-ce que vous en pensez? Ou si vous comptez craquer? Ouais, il me fallait des teintes claires et puis les teintes de peau, voilà, vu que j'ai le mystère grand classique portrait là, je vais pouvoir me faire plaisir. Parce que là, niveau peau, je suis. Normalement, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et autre teinte aussi maintenant. Là, je pense que j'en rachète plus. Hein. Franchement, ça devrait être bon. Je devrais avoir de quoi faire. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien grand soin de vous. Et vive la rentrée!